Allez, salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo! On est sur Dirt Rally 2.0. Et cette fois-ci, bon, vous le reconnaissez ou pas, on est sur le rallye du Pays de Galles avec une Chevrolet Camaro. Alors, pourquoi il y a ce genre d'auto dans Dirt Rally? Je sais pas. Je savais vraiment pas qu'il y avait ce genre de voiture qui roulait en vrai en rallye. En tout cas, j'en ai jamais vu. Peut-être aux États-Unis, en tout cas. Nous, on s'en fout. On est parti donc. C'est une propulsion. Donc, au niveau du train arrière, ça bouge de partout. Allez, on est parti! Alors j'ai essayé, vous voyez là où il y a ma tête, il y a le compteur derrière. J'ai essayé de voir si on pouvait déplacer le compteur, on peut pas. Donc bah, vous voyez juste un petit bout de blanc. Donc m'en voulez pas. Donc, du coup vous le voyez, hein. Spécial extrêmement compliqué. Alors j'espère que c'est pas celle que j'ai fait la dernière fois comme spécial sur Pays de Galles, parce que j'ai un doute. Je sais pas si c'était la même. En même temps, bon, j'ai l'impression que tout se ressemble, donc. J'espère que c'est pas la même. Si c'est la même, bon, bah, bon, m'envoyez pas. Surtout qu'il y a plein d'autres rallyes à faire, et je sais pas, je l'aime beaucoup, ce circuit du Pays de Galles là. Enfin, ce rallye du Pays de Galles. Droite 4 cordes sur ciel. 50 mètres. Ciel dans gauche 3 ferme, plonge. Dans droite 4, ouf, je suis arrivé vite là. Oh non, c'est bon. Ferme. Là, il me semble qu'il y a une épingle au bout là. Ça, c'est les souvenirs de Dirt Rally 1. Bah, 1.0, il y a 5-6 ans. Il me semble qu'il y a une épingle au bout. Peut-être que je confonds. Dans droite 5 sur ciel. Dans gauche 6, ouvre jump mieux. 50 mètres. Droite 6, ciel mieux et double jump. Double jump. De droite 6 et 60 mètres. Droite 4, ouvre sur ciel. Dans gauche 5, ouvre sur ciel. 60 mètres, ciel dans pas corps de gauche 3. Non, bah c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Mieux. Dans droite 6, 50 mètres. Gauche 6, ouvre sur ciel. Dans droite 5, soulage 80 mètres. Droite 6, ciel pour 60 mètres. À gauche, épingle cachée. Ouvre en montée, 100 mètres. Ah, c'est top, hein. Ah ouais, je me régale. Tout et droite 6, extrême. Je me régale. Ferme 3 à la barrière. Ferme 3 à la barrière. Attention, voilà. Ouais, ça drift de partout, hein. C'est topissime. Mais ça drift, mais c'est, vous dites, c'est pas du drift pour dire d'être du drift, quoi. Ah bah ouais, bah là, si, ça drift un peu trop. Ah, je me suis fait avoir là. Il m'a dit épingle, je pensais que ça allait être une épingle tout de suite. En fait, elle est beaucoup, elle était longue l'épingle. 30 mètres, gauche 5 long ouvre, 140 mètres, long ciel dans droite 4, 50 mètres, gauche 4 ouvre, 60 mètres, gauche 4 tôt, 100 mètres, gauche 6 sur ciel au bois, 60 mètres, droite 5 ouvre sur ciel, 30 mètres, droite 4 cordes sur ciel, et 30 mètres, droite 4 sur ciel, soulage gauche 5 en descente, dans épingle droite. Dans gauche 5 long, ferme 3 plonge. Alors je sais pas si on peut aussi facilement mettre les premières en rallye, je sais pas. Et moi je la mets à chaque épingle. 5 sur jump, soulage. Et puis il est long ce rallye là. Ouh, même pas. Oh ouais, putain. Chaud, chaud, chaud. On a peut-être pas besoin de la mettre la première là. Gauche 5 sur ciel, 40 mètres. Gauche 5 sur jump, ouvre. Et 50 mètres, gauche 3 ouvre. 60 mètres. Reste à droite sur ciel et gauche 4 long, pas corde après les voies. Whoop. Et soulage 80. Oh non, Mikey! Oh Mikey! Crevaison à l'avant droit. C'est un échec total. Allez, on se retrouve sur notre rallye. Allez, après cette fait virer de chez Chevrolet, et ben on est chez Ford maintenant. Voilà, on est chez Ford, pareil, propulsion. On n'est plus au Pays de Galles, on est en Écosse comme vous le voyez en bas à gauche. Et cette fois-ci, on est sous la pluie. Alors, sous la pluie. C'est pas la pluie, en fait. C'est, comment on va dire, c'est deux jours et il n'y a plus avant. Alors, d'ailleurs, c'est assez bizarre qu'on peut vraiment pas changer les conditions météo. Il n'y a que deux conditions. On peut même pas mettre toutes les spéciales de nuit. Je trouve que c'est un peu débile, mais bon.
C'est un peu dommage, clairement c'est un peu dommage. Allez, on est parti avec cette Ford Mustang. Je vous la montrer un peu. Qui est plutôt pas mal, hein. Maintenant elle est belle. Bon, je préfère les nouvelles, hein. Les nouvelles, je sais pas, j'aime beaucoup. Allez, donc vous voyez, la piste elle est gaugée. Ça va être étonnant ça aussi. Déjà tu peux pas accélérer, donc oui, ça va être très étonnant. Ah bah là on va se tuer, Ah bah là on fait deux virages, on est mort. Les gars. Oh là là, comme ça flotte. Tu m'étonnes, la piste elle est gaugée, c'est de la gadoue. Ferme après croisement, pas corde, pierre intérieure et gauche 5 long ferme, reste intérieur sur ciel, dans droite 5 court, reste mieux. Oh ouais, non, bah là on est mort, C'est quand même assez simulation, hein. Le gars qui me dit, ouais, c'est pas de la simu, moi je trouve que ça nécessite quand même vraiment de la prudence, de l'analyse, regarder très loin devant soi. C'est pas un dirt 5 où, je veux dire, tu fais des sauts de 100 mètres. Reste à droite sur 80 mètres, gauche 6 sur bosse, dans droite à fond, 70 mètres, jump milieu, 60 mètres, attention, gauche 4 soulage, et 60 mètres, droite 2, ferme un très long ferme, backboard et léger ciel milieu. Oh putain, ouais, bah heureusement qu'il y avait de l'espace là, parce que. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu! On en parle pas, mais je le trouve très joli, hein. Autant la série Codemaster DF1. Oh merde, oh putain, oh bordel. Il y avait des troncs d'arbres, vous inquiétez pas. On a couché les arbres. Autant la série F1 de Codemaster, je trouve que graphiquement, ça, il pourrait faire mieux. Mais là, avec toute la nature, la densité à l'écran, je trouve que c'est vraiment sympathique. Vraiment pressé d'avoir le nouveau jeu WRC de Codemaster. J'espère vraiment que ça sera pas de la simu, mais Dirt Rally 2. J'espère vraiment, parce que s'ils font de l'arcade à la Dirt 5, mais laisse tomber quoi, même pas je l'achète, même pas je l'essaye. Voilà, parking. Il a dit gauche à fond. Hein. Ah ouais, ça va vite là. Vous avez vu, vous avez pas vu, non, vous voyez pas, mais je raccélère en 3. Hein. Parce que là, en 2, ça glisse de partout. Oh putain! Oh bah c'est dur, hein. Oh non, je vais me faire virer de chez. Oh non, je vais me faire virer. Oh bah merde. Oh, je suis viré. Je suis déviré. Vous êtes viré. Oh là là, mais c'est trop dur. Si, c'est bon, ça passe. Oh bordel, attends, mais c'est la spéciale la plus dure là. Ah non, mais. T'es obligé de savoir toutes les spéciales. Des fois, je regarde un petit peu les vidéos des mecs qui filment juste leur volant et ils se mettent en vue extérieure. Tu les vois raser les murs, mais combien ils ont fait de tours avant, quoi. C'est comme j'ai dit dans les dernières vidéos, hein. Je trouve que le rallye n'a aucun intérêt si tu fais 40 fois la spéciale. Vraiment. C'est pour ça peut-être qu'il n'y en a pas assez dans Dirt Rally 2.0. Parce que si tu fais 30 fois la spéciale, ça n'a aucun intérêt. Et c'est même pas spectaculaire à voir, en fait. Je veux dire, c'est comme si tu fais un tour sur un circuit, tu connais le circuit par cœur, même si t'es pas forcément rapide, bah, c'est spectaculaire de voir que t'as les bonnes trajectoires, les bons freinages. Et ça en devient banal, bah là c'est pareil en rallye. En rallye, ce qui est impressionnant, c'est l'analyse qu'ont les mecs en direct de avec juste une information de gauche 5, être capable de savoir, mais comment c'est gauche 5, droite 4, est-ce qu'il faut passer, tu vois. Ça, c'est ce qui fait le charme du rallye, mais apprendre la spéciale par cœur, bon... Parce que ça perd beaucoup en charme, on va dire. Oh là là. 60 mètres. Oh là là. Attention ferme. Dans droite 2. Dans gauche un long backcorde. Oh non, pas deux fois. Droite très long et ferme. Et reste à droite. Dans gauche 4 ouvre sur long ciel milieu. 70 mètres. Droite 6 plonge. Ouvre sur jump milieu. Je vous l'ai dit que c'était pas adapté ce genre d'auto, putain. Oh bordel. Oh, c'est un échec. Tu vas revenir, oui.
Ça y est. Oh non, c'était dingue. Oh là là. Mais on est où là? On est où? Eh ouais, bah oui, je suis dans le mur. Oh, elle est déglinguée l'auto. Je sais même pas c'est quoi le bouton. 33. Je sais pas. Dans gauche, ah, c'est là. Extra long. C'est un échec total. Ah, je crois que c'est la pire vidéo d'Earth. Hein. Ah non, mais les propulsions, on laisse tomber quoi. En fait, les propulsions, c'est zéro attaque. Hein. Zéro attaque. Et surtout que ça, c'est pas adapté du tout, ça. C'est pas du tout adapté, ce genre d'engin. Et en fait, dès que t'arrives pas à faire pivoter le train arrière, ben, l'avant ne tourne pas. Donc forcément, c'est extrêmement... Oh bah bête, au moins on boucle la boucle. C'est un échec total. Ah, c'est un échec absolument total. On va regarder un petit peu du replay, mais là, clairement, là, c'était une honte incroyable. Comme d'habitude, hein, les replays, moi, je les trouve magnifiques. Y a rien à dire à ce niveau-là. Mais ouais, clairement, là, autant la BM, ça va. Mais les deux américaines, là, laisse tomber, quoi. En fait, c'est plaisant dans la dérive, mais ça ne tourne pas du train avant, en fait. Et si vous regardez tous les accidents que j'ai eu, c'est parce que la voiture, déjà, j'arrivais pas à la ralentir. Numéro 22, ça c'est beau d'ailleurs, j'ai même pas attention. Mais j'arrivais pas à la ralentir parce que justement la voiture, entre guillemets, allait trop vite. Et au lieu d'arrêter la voiture, bah, ce qui se passait, c'est que le cul en fait voulait passer derrière. Dès que j'arrivais à stabiliser le cul, bah, c'est l'avant qui voulait plus tourner. Donc, ouais, bon, l'expérience là, l'expérience prouve que c'est un échec. Mais bon, une nouvelle fois, on s'amuse. Et le but, il est là, et une nouvelle fois, graphiquement, et en termes de comportement de physique au volant, je trouve ça assez incroyable. Moi, c'est vraiment crédible. Hein. Moi, ce que je vois est vraiment crédible, et c'est ça qui fait que j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, see you. Washango. Oh. C'était chaud, là.